Bonsoir à vous toutes et à vous tous, nous sommes le 1er février 2018 et c'est parti, ah comme oui, chaque vrai. Jeudi soir, pour 01 Live Hebdo, toute l'actualité high-tech, c'est sur 01 TV, c'est maintenant en direct. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver comme tous les jeudis soirs pour débriefer l'actu high-tech de la semaine avec tous les spécialistes de la rédaction de 01 TV. Avec, et de 01net. Bien sûr, avec au menu dans un instant la guerre des opérateurs télécoms et surtout le classement des meilleurs opérateurs télécoms. Lequel a la meilleure bande passante ? Tu sais, c'est le débit. Je sais. Lequel est le plus stable, le plus fiable ? Il y a eu donc en fait une remise de prix aux assises du très haut débit. On va faire le point dans quelques instants avec Amélie Charnay, notre spécialiste réseau ici à 01net. Le replay des programmes du groupe TF1 ne fonctionne plus sur votre Livebox. C'est normal. C'est que le torchon brûle entre Orange et TF1. On va essayer de vous expliquer ce bras de fer là, qui dure depuis maintenant presque 24 heures. Explication avec Amélie Charnay, c'est vraiment notre spécialiste au réseau. C'est la même que celle de tout à l'heure. C'est la même, tu verras. Puisqu'elle est en studio, on va en profiter jusqu'au bout. Exactement. HomePod, Echo, les assistants vocaux d'Apple et d'Amazon arrivent prochainement. Vous le savez, en France, ça y est, on a des dates. Connaîtront-ils le même succès qu'aux États-Unis ? Noémie Lefebvre-Marek va nous donner son avis tout à l'heure pour le Zoom Actu. Elle a reçu un prix au CES de Las Vegas. Noémie ? Non. Ah bon ? Elle veut jouer dans la cour des grandes voitures électriques. Et elle en a sous le capot. C'est la nouvelle Nissan Leaf qui arrivera très prochainement. Et David Noguera l'a testée en exclusivité en avant-première. Je suis très envieux, personnellement. Eh ben oui. Et donc, on a convoqué David pour qu'il nous raconte tout ça. Voilà. Ça sera tout à l'heure, cette Nissan Leaf dont on voit les images, c'est vrai que ça donne envie. Et puis on terminera avec un petit détour du côté des smartphones. Le Samsung Galaxy A8, regardez-le, il est beau ! Tadam ! Raphaël Grab, il a testé et il nous donnera son verdict, qui, vous le verrez, est plutôt positif tout à l'heure. Alors que dans quelques semaines maintenant, on découvrira le nouveau Galaxy S9, vous le savez. Le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung qui sera présenté à l'occasion du Mobile World Congress. Voilà, c'est 01 Live Hebdo. Merci d'être avec nous. Vous pouvez interagir, bien entendu, sur Twitter, hashtag 01 Live. Et puis vos petits messages également sur YouTube. C'est parti. Et pour débuter notre question 01net Orange, comme chaque jeudi soir, question liée justement au réseau. Êtes-vous surpris par le classement des opérateurs mobiles de l'année ? Pardon. Alors ce classement, il va falloir le donner. Oui, hein, pour on va le qu'on donner. Puisse répondre à la question. Et on va en parler tout de suite. Alors d'ores et déjà, si vous le connaissez, vous pouvez aller voter sur 01nettv.com. Et nous sommes ravis d'accueillir Amélie Charnay. Bonjour Amélie. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Alors, ce classement... Il y a eu un petit silence. Non, mais c'est vrai que c'est quand même important parce que, mine de rien, aujourd'hui, on a tous un smartphone, on a tous des tablettes. Eh oui, ça nous concerne tous. Hein. On est tout le temps connecté en 4G et il est important d'avoir un peu la météo des meilleurs opérateurs français. Voilà, c'était un classement à la fois très, très attendu, mais redouté aussi par les opérateurs parce que bah, pour les bons, ça va, mais pour les moins bons, ça fait de la mauvaise pub. Mais alors, c'est un classement qui est établi par qui ? Alors, c'est Cozy, qui est une société éditrice de l'application 4G Marque, en fait. Donc, ces résultats sont issus à la fois des tests que font chaque utilisateur lambda en France de leur réseau mobile. D'accord. Mais c'est pondéré par des enquêtes sur le terrain très professionnelles, parce qu'il faut savoir que Cozy fait aussi les enquêtes de l'ARCEP, qui sont délivrées chaque année vers le mois de juin, hein, parce qu'on a quand même ces enquêtes officielles de l'ARCEP. Donc, a priori, c'est fiable, c'est pas contesté. C'est très fiable, c'est très sérieux, et ce serait l'étude la plus vaste avec celle qui aurait eu le plus de données jamais faites encore aujourd'hui en France. D'accord. Alors c'est pas une institution officielle vraiment qui la présente, mais c'est très très fiable. Alors les résultats, c'est que quand même tous les opérateurs, on va le dire tout de suite, au niveau voix et SMS sont à peu près au même niveau, donc il n'y a pas de problème de communication pour passer des appels. Oui, c'est la le différence, minimum syndical. Heureusement, est en 2018, ouais. la différence se fait sur la data. D'accord. Donc Orange arrive en tête vraiment indéniablement, on peut dire lamine ses concurrents. Donc c'est Orange le gagnant. C'est Orange qui arrive vraiment en tête. Ouais. Alors je vais donner un exemple, j'ai pris mes petites antilles sèches. Donc au niveau du débit descendant, on est à 24,7 en moyenne mégabits par seconde. Hein. Voilà. Vu là Amélie, on a vraiment un tableau superbe.
Après, comme on a, en fait, il y a plein d'usages qui ont été testés. En gros, SFR et Bouygues sont derrière Orange, mais vraiment dans un mouchoir de poche. Et SFR et Bouygues sont vraiment sur un niveau équivalent de qualité. Mais la surprise, c'est que Free est vraiment très très loin derrière ses trois concurrents et avec des résultats vraiment très bas. Ouais, d'accord. Donc, alors, on peut Orange numéro un, opérateur numéro un. Voilà, c'est pas vraiment une surprise. Un peu logique parce que c'est vrai que bon, voilà, c'est l'opérateur historique, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, c'est vrai que, vous le savez, il y a la question 01 Net Orange hein, dans ce 01 Live Hebdo. Évidemment, il n'y a aucun rapport entre le fait qu'on pose une question 01 Net Orange et Orange qui est numéro 1 de ce classement. Bien évidemment, absolument, vous savez qu'on travaille en toute indépendance éditoriale. Et tu as raison de le préciser. De signaler, je pense. Tout à fait. Donc, Orange numéro 1. Ensuite, tu disais... Donc, SFR et Bouygues dans un mouchoir de poche, pas très loin derrière Orange. Mmh, d'accord. Et Free, par contre, très très loin derrière au niveau de la qualité des services mobiles. Pas donc sur la voie les SMS, mais sur la data. C'est un peu ça la surprise, alors, finalement. Oui, c'est pire que d'habitude. Alors, pourquoi ? Parce que, en fait, le réseau 4G de Free ne couvre pas encore toute la population et que Free utilise encore beaucoup l'itinérance en 3G qu'il a avec Orange. Mmh. Et que cette itinérance est en voie d'extinction et qu'elle est bridée maintenant depuis le 1er janvier 2017 à 1 mégabit par seconde en débit descendant. Et alors, c'est encore pire, un débit montant, j'ai dû le noter quelque part. Oui, donc en fait, les utilisateurs de Free sont vraiment lésés si ce bridage volontaire. Et donc, en fait, en moyenne, les utilisateurs de Free Mobile passent encore 20% de leur temps sur le réseau d'Orange. Et en fait, c'est transparent. C'est-à-dire que moi, je suis abonné Free Mobile, je vais me balader par exemple dans Paris, ou soit je vais capter de la 4G ou de la 3G Free. Là, je n'aurai pas de bridage. Et j'aurai un réseau certes moins bon qu'Orange mais qui sera correct, mais en revanche si je vais dans une zone où je ne capte pas la 4G de Free, je vais passer sur l'itinérance Orange et là patatras, débit réduit, ça va lentement quoi. Ce qui explique que les résultats en moyenne de Free Mobile soient vraiment proches de la catastrophe lors de cette enquête. Alors c'est en moyenne nationale, ça paraît pas si fou, mais alors dès que vous allez dans les zones rurales ou sur le réseau ferroviaire où Free n'a pas déployé d'antenne 3G ou même 4G, là, ça bascule automatiquement sur Orange et les résultats sont encore pires. Mais c'est-à-dire que si on habite dans une zone où il n'y a pas du tout d'émetteur 4G Free, là, c'est la cata. C'est-à-dire qu'on déconseille un abonnement Free Mobile. Oui. Hein, on est d'accord. Oui, oui. Et tout ça va changer à terme. Alors après, Free se rattrape sur plein de choses, sur le prix, sur les paquets, sur les trucs avec l'étranger. Oui, l'itinérance. Et surtout, il est en train de déployer son réseau. Ouais. Il est parti le dernier. En 4G, il est encore... c'est 84% de la population qui touche. Mm-hmm. Donc, ça fait quand même un certain nombre de Français qui ne peuvent pas... 84% de la population en théorie, hein, puisqu'après on ne sait pas où se situent ses utilisateurs. Mais il a encore un coup de boost à donner sur son réseau 4G tout simplement. Et on peut espérer quand même qu'il arrive à compléter son réseau. Les résultats ressemblent à ceux de l'année dernière, parce que c'est pas la première fois que ce prix est remis ici. Non, mais là c'est pire parce que depuis donc 2017, le débit est bridé. Ah oui, en fait, avant les autres années, les résultats était meilleur puisque le réseau en itinérance avec Orange n'était pas C'est la mauvaise bridé. Année. Quoi. C'est ça. Ouais. Alors voilà, sur YouTube, il y en a qui nous disent le réseau Free est super bon, etc. Mais c'est vrai que quand on est en dessous d'une antenne 4G chez Free et qu'il n'y a pas grand monde dessus, là, ça booste. Mais là, vous savez que ce sont des enquêtes nationales. Hein, c'est-à-dire que les résultats diffèrent énormément entre un cas perso et le ressenti au niveau national, on est d'accord Amélie. Oui, hein. Oui, oui. Alors, bon, il faut dire quand même, donc, ces résultats sont catastrophiques, pire que d'habitude, parce que c'est transitoire. Hein. Donc c'est bien dû à cette année 2017 où pour la première fois, il y a eu des limitations de débit. Mm-hmm. Mais on peut espérer que Free Mobile va compenser ça en déployant massivement son réseau 4G. Si c'est encore le cas dans un an, vu qu'en 2019, le débit va être encore bridé à un niveau inférieur. Alors là, ça va pas le faire. Free qui est pas mal dans la tournante hein, quand même. Hein. On va peut-être glisser un mot concernant les problèmes qu'on peut avoir si on est abonné Netflix, hein, avec des débits qui sont vraiment réduits sur Netflix. Pour l'internet fixe. Oui, c'est vrai ça c'est encore un autre problème donc, mais, sur le mais fixe. Mais bon, voilà, qui rajoute encore Free un, n'a pas réussi à s'entendre. À oui, Free n'a pas réussi à s'entendre avec Netflix, qui a des accords d'interconnexion avec à peu près tous les opérateurs, mais pas avec Free. Donc, l'accès à Netflix est extrêmement ralenti quand on est abonné Free. Aux heures de pointe, hein, pour l'avoir testé. Alors, d'ailleurs, vous le dites aussi sur YouTube, hein, vous êtes pas mal à nous dire que Netflix ne marche pas très bien sur Free, mais ça, c'est pas un scoop, hein, malheureusement. Ouais, c'est sûr.
Mais bon, alors après, on peut disserter, parce que c'est pas qu'il est volontairement bridé, c'est que Free estime que Netflix ne part pas, ne rémunère pas en conséquence, etc. C'est ça, ils n'ont pas encore conclu d'accord d'interconnexion. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, alors, ça c'est une partie de l'histoire, il y en a une autre, oui. Un petit peu dans le même genre, dans le même goût. Décision de TF1, aujourd'hui, ce matin, concernant la diffusion de ces programmes sur la box d'Orange. Donc il y avait le bonus pour Orange, là c'est le malus là aujourd'hui. Oui, alors en fait, TF1 menace Orange de couper le signal de ses chaînes en clair, ce qui est en fait impossible. Hein. Donc on ne peut pas avoir d'écran noir quand on est abonné Orange. Alors attends, pourquoi est-ce qu'il menace de couper? Donc, alors en fait, ça fait 2 ans que TF1 essaye de renégocier les accords qu'il a avec tous les opérateurs. Mmh. Et il leur a, il y a 2 ans, une nouvelle offre TF1 Premium, où il veut gagner plus d'argent, tout simplement, parce que jusqu'à maintenant, les opérateurs diffusaient gratuitement les chaînes en clair, oui, et payaient le droit d'avoir du replay, d'avoir des fonctionnalités sur Internet en OTT, voilà. Mm-hmm. Et là, TF1 a dit, bon, on arrête tout ça, on va proposer un package global, donc les chaînes en clair plus le replay, et je vais vous faire payer beaucoup plus, parce d'accord, que c'est comme ça que ça se passe ailleurs à l'étranger. D'accord. Et notamment chez nos voisins européens, et notamment aux États-Unis. Alors ce bras de fer, TF1 l'a eu avec tous les opérateurs. Hein. Mmh. Ça a été un peu tendu, notamment avec SFR, qui finalement en novembre a signé un accord avec TF1 pour une offre globale à la fois de la reprise en clair des chaînes, mais aussi du replay, des services innovants en matière de VOD, etc., même de la retransmission 4K. C'est ce que voulait TF1 avec Orange, mais visiblement, ils ne sont pas d'accord sur l'addition, parce que oui, l'addition est relativement salée. Hein. Oui, parce qu'elle est plus salée pour Orange que pour SFR, en fait. Ce qu'on sait, c'est que TF1 gagnait à peu près 10 millions d'euros par an avec tous les opérateurs, et que TF1, maintenant, veut passer à 100 millions. Ah oui, d'accord. Donc, sans patate. Voilà, donc Bouygues Télécom a déjà signé, mais en même temps Bouygues Télécom fait partie de la maison TF1, oui, donc on n'est pas très étonnés. Je pense qu'on a dû leur faire un peu des guillemets. Hein. Allez-y maintenant, bon, ça suffit. SFR a signé, Free n'a pas signé non plus. Donc parce que leur contrat se termine dans plus longtemps de temps, je crois. Voilà, mais on peut s'attendre à ce que Free ne signe pas non plus. Oui, il va se passer la même chose. Voilà, les menaces de TF1, donc elles sont un petit peu, c'est un peu, je veux dire, du cinéma, parce que donc ils ne peuvent pas couper le signal. En revanche, ils ont arrêté dès aujourd'hui l'accès au service, voilà, au replay. Voilà. Mais pour assurer tous ceux qui nous regardent, enfin, il n'y a plus de replay sur la Livebox, c'est ça? Non, il n'y a plus de replay. Après, il y a plein de moyens de contourner ça. Ce soir, tu peux pas regarder The Voice, exemple. Ouais. T'es mort, tu peux pas. Enfin. Mais en revanche, Jérôme aura toujours TF1, NT1, enfin toutes les chaînes qui appartiennent donc au groupe Leclerc, TF1 en direct. Ils peuvent pas le couper. C'est ce que tu nous dis, Amélie. En revanche, ce qu'ils peuvent faire, c'est attaquer en justice TF1 pour diffuser ses chaînes en clair sans contrat. Donc Orange. Oui, pardon, ce que j'ai dit. Oui, oui. Qui attaque qui dans l'histoire? Donc, ce que TF1 peut faire, hein, c'est attaquer Orange en justice, ouais, pour continuer à diffuser en clair ses chaînes sans contrat, puisque le contrat a expiré cette nuit. Hein. D'accord. Oui. Voilà. Donc là, il y a une espèce de vide juridique. Ah oui, oui. Mais bon, je pense que là, évidemment. C'est-à-dire qu'Orange est en train de pirater TF1, c'est ce que tu nous dis. Non, mais je suis même pas sûr. Parce non, non, non. Moi, je pense que, en fait, étant donné que ce sont des chaînes qui sont en clair diffusées sur la TNT, ils ont même l'obligation légale de les diffuser. En donc, Orange a l'obligation légale de les diffuser. Possible, mais là, on joue, enfin. J'imagine qu'il y a des batteries d'avocats, là, ouais, un peu partout, dans tous les sens. En gros, pour résumer. C'est du pressing commercial, ils vont bien finir par trouver un accord. En tout cas, ce que TF1 voulait valoriser, c'est le replay, c'est le TT, c'est l'accès à la 4K, c'est l'accès à certaines fonctionnalités comme le start over qui permet de revenir au début du programme, ou de le replay enrichi au-delà de 7 jours. Tout ça, il veut le monnayer. Ouais. Et bah, les opérateurs ne sont pas d'accord parce que le prix. Et oui, alors ce que disent les opérateurs, vous êtes gentils, mais nous, quand on diffuse vos chaînes, la totalité des recettes publicitaires vous reviennent. On paye le replay, mais là aussi, vous touchez quand même des recettes publicitaires dessus. Et on ne vous fait pas payer le coût du transport de ces contenus. Donc, il y a aussi des arguments à entendre du côté des opérateurs. Il faut que TF1 sorte une box. Non, j'ai rien dit. S'il vous plaît, pas de box en plus. Bouygues Télécom, on en a déjà une. Hein. Ça suffit les box. C'est vrai que Bouygues en a une. Hein. Rappelons que Bouygues Télécom appartient au groupe TF1. Et alors, côté utilisateur, donc, ce que vous disiez, on peut malgré tout accéder au replay. De quelle manière? Oui, alors on peut accéder directement à l'application. Oh, il suffit même pas d'être geek, malin, alors. Là. Franchement, l'application MyTF1, ouais, tout simplement. Donc on télécharge l'application MyTF1 sur la Livebox. Que ce soit en fixe ou en mobile. Enfin, pas sur la Livebox, mais sur sa télé connectée. Et puis on peut aussi tout simplement, sur ton téléphone. On peut tout simplement aller... Je veux sur ma télé. On peut aussi tout simplement continuer aussi... Bon.
Imaginons qu'Orange cesse de diffuser les chaînes en clair, elles sont sur la TNT, hein, donc on peut passer par le Hertzien et arrêter de passer par l'IPTV de sa box. TNT, vous êtes gentil, moi j'ai pas de prise vous TNT. Gentil, hein. Amélie, vous êtes bien gentil les amis, TNT, franchement. Dedans, hein. La TNT, non, moi j'ai... Vous avez la TNT vous alors, vous utilisez la connexion à la prise. Moi j'ai une prise. Oui, mais je ne sais même plus où elle est, la prise, elle doit être cachée derrière un meuble. Sur le toit, mais je t'avoue, je m'en sers pas de plus. Si vous n'avez pas accès à la TNT, on peut toujours accéder aux chaînes en direct de TF1 sur internet en OTT. Donc enfin il y a toujours un moyen. Oui, il y a moyen. Il y a Molotov aussi sur l'Apple TV, sur la plupart des téléconnectés aussi. Des téléconnectés. Bref, on n'est pas mort. Oui, on n'est pas mort. On a eu peur, putain, on a failli perdre tous les programmes de TF1. Ça c'est vrai qu'on a eu chaud. Ouais. Merci Amélie. Merci beaucoup Amélie. Amélie Charnet, donc de la rédaction de 01net. On est un peu moqueur, c'est normal. La question, parce que là du coup vous pouvez répondre à la question 01net Orange du bien jour. Bien sûr, la question 01net Orange qui est justement évoque ces opérateurs. C'est évoqué le classement des opérateurs, donc c'était quoi? 1 Orange, 2 SFR, c'était quoi? Je me souviens plus. Je crois que c'est ça. C'est à peu près ça. Hein. Amélie, on est numéro 1 Orange. Après, il y a quoi? SFR ou Bouygues? SFR et Bouygues à égalité et Free. Et Free en dernier. Ouais. D'accord. Eh bien voilà. Allez-y. Êtes-vous d'accord ou pas? C'est simple comme question. N'hésitez pas, 01nettv.com. Tout de suite, on parle des assistants vocaux. Oui, bonsoir. Et puis juste après, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que David Noga sera là pour l'essai de la Nissan Leaf. Yes. Vous savez que c'est une voiture électrique qui est très attendue. Jérôme bave d'avance, on va en parler dans un instant. Et puis Raphaël Grabis sera là pour aussi un smartphone très attendu. C'est le Samsung A8. Mais tout de suite, Zoom Actu, donc avec Noémie. Ils n'arrêtent pas de dire du mal. De qui? De moi, là-bas derrière. Ouais. Allez, jingle. N'hésitez pas à réagir en direct, le hashtag 01live sur Twitter et puis via YouTube, le flux YouTube du direct du 01live sur la page de 01NetTV que nous vous conseillons de suivre en appuyant sur le petit bouton et en vous abonnant, bien sûr. Elle est là, elle nous a rejoint. Comme la plus jeudi. Belle, oui. Noémie Lefèvre-Marais, bonsoir, qui est avec messieurs. Nous. Bonsoir Noémie. Bonsoir. La plus belle, ça fait plaisir pour Amélie. Non, c'est une façon d'entrer dans les détails. C'est une façon de parler, je te bien le dis sûr, aussi à toi, la plus belle et tout. C'est pas grave, on va la garder. On peut couper au montage, hein, de toute façon, c'est pas grave. Bon, c'est notre chroniqueuse actu, Noémie. Bonsoir Noémie. Bonsoir messieurs. Ça va bien se passer. On aime bien voir ensemble. Oui, mais moi je suis vraiment très à l'aise là, c'est parfait. De toute façon, c'est vrai. Cool, zen. Bon, de quoi on parle? Bah, je sais pas moi de quoi on parle. Mais on va parler, il y a marqué quoi là? On va parler d'Alexa, il y a marqué, d'Amazon, alors, il y a marqué HomePod, Google Amazon, Home. Alexa, Amazon, HomePod, Google Home. La bataille arrive sur le territoire français, Noémie. Et oui, la bataille qui était américano-américaine. C'est pas beau les amphétamines. Hein. Moi je vous le dis, il faut arrêter. Ouais, regardez un peu Jérôme. J'ai déjà pourtant parlé de la drogue sur le lieu de travail, Jérôme. Hein. C'est pas bien. On en a parlé ça déjà. Suffit. Oui, en effet. Alors cette bataille des assistants connectés, ben, elle arrive en France et c'est vrai qu'on va voir ça au printemps. Puisque, roulement de tambour, Alexa avec Amazon annonce son arrivée sur le territoire français le 14 avril prochain. Ah bah c'est pas trop tôt. Hein. Donc une arrivée qui est évidemment très attendue, mais on ne sait pas encore dans quel produit va être embarqué Alexa. Il y a une gamme Echo qui est assez large, hein, avec l'Echo, l'Echo Plus, Dot, le Spot, le Show ou encore le Look. Ah ouais. Bon, on l'a bien compris, on dirait que c'est quand même l'année des enceintes connectées. Hein, ouais, hein. C'est l'année des enceintes connectées. Alors déjà, Google Home est déjà assez bien implanté en France, hein, avec le Google Home Mini aussi, qu'on a vu la fin de l'année dernière. Et puis, vous savez que Apple, on en a parlé ici même la semaine dernière, Apple a choisi le printemps également pour annoncer l'arrivée de HomePod au printemps prochain. La date n'est pas précise, je ne me trompe pas. Il ouais, n'y hein, a pas de date précise, c'est le printemps. Ce printemps, oui. 9 voilà, février aux États-Unis et au printemps en France. Exactement, donc c'est vraiment 2018 ici, ça va vraiment être l'année, c'est une grande tendance high-tech, l'année des assistants connectés à un marché qui représente une croissance potentielle énorme, les assistants personnels et les produits qui les embarquent, Google Assistant, Siri, Alexa et Cortana aussi de Microsoft. Et de façon plus générale, les intelligences artificielles commencent à être présentes en fait dans tous les aspects de la vie. Hein. Il y a les enceintes connectées. Il y avait que ça au CES de Las Vegas. Hein. Voilà. Enfin, il y en avait partout. En exactement. Tout cas. Vous êtes revenu avec des infos là-dessus. L'électroménager, la voiture, les robots, les enceintes connectées. Donc c'est vrai que ça commence à englober toute la vie. Lors de la
d'ailleurs au CES de Las Vegas, lors d'une conférence, le président de la CTA, qui est Consumer Technology Association. C'est qui les est... organisateurs du salon. Voilà, les organisateurs du salon, gros syndicat association de la high-tech aux États-Unis. Le président estime qu'en 2018, pour les... C'est Gary Shapiro. Le président. Not of the CTA. Enfin, bon, écoutez, j'ai marqué bon. Le président. Arrête de couper mes amis. Il est en train de dire des trucs intéressants et tu dis un truc. Le président de la CTA qui dit qu'aux États-Unis devrait s'écouler en 2018 43 millions de produits, enfin d'appareils embarquant un assistant connecté. C'est pour. Alors le chiffre en soi, c'est pas très intéressant, mais. En revanche, par rapport à 2017, ça veut dire une augmentation de 60%. En fait, c'est énorme. Et il y a plusieurs choses qui devraient faire drainer ce marché, qui devraient le faire exploser. C'est d'abord l'intelligence artificielle qui progresse de plus en plus. Les intelligences artificielles sont de plus en plus intelligentes, entre guillemets. Et puis, il y a la 5G aussi qui arrivera plutôt en 2015, mais qui devrait accélérer tout ce processus. Bon, alors Noémie, la question, c'est est-ce que ça marchera aussi bien en France qu'aux États-Unis ? Eh bien, c'est une bonne question. Allez bien, je voilà. Merci de la poser, comme diraient les politiques. Et oui, ça lui arrive de temps en temps. Voilà. En fait, c'est vrai que c'est à surveiller parce que les Français, on sait, sont en matière de données personnelles beaucoup plus frileux, beaucoup plus méfiants sur cette question-là. Et c'est vrai que, on le sait, c'est par les assistants personnels qu'on va pouvoir récolter de plus en plus de données. Et oui. Les GAFA vont pouvoir récolter beaucoup de données. Si tu dis réveille-moi, quel temps qu'est-ce que j'écoute comme musique ? Qu'est-ce que j'écoute comme musique ? Montre-moi le restaurant le plus proche. Voilà, exactement. Je commandais encore un chinois. Exactement. Et là, c'est pose. Un bouffeur de sushis. Ben oui, il faut lui envoyer de la pub pour les sushis. Ouais. Tout à fait. Voilà. Et là, dans le cas d'Alexa, je voulais vous raconter une petite anecdote dont on avait déjà parlé, il me semble, ici, il y a un petit moment. Mais dans le cadre d'Alexa, alors Amazon vient de battre un record, en fait, c'est celui des données que la société a transmises aux autorités, donc les tribunaux, le FBI aux États-Unis. Ils viennent de battre ce record-là. Et ça pose une grosse question. Alors, en décembre 2016, il y avait une histoire d'un procès pour meurtre. Mmh, mmh. Et on avait demandé, les autorités, les tribunaux avaient demandé à Alexa, enfin à Amazon... Alexa, qui a tué le... l'enregistrement le de l'assistant qui avait sur la scène du crime, et cet enregistrement sonore avait servi de preuve pour accuser une personne. Je me souvenais pas de cette version, moi. Je croyais qu'ils avaient demandé et que d'abord Amazon avait refusé et qu'ensuite ils avaient surtout expliqué que rien n'était enregistré avant la prononciation du mot-clé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stockage des données. On va vérifier tout ça, mais en tout cas, en France, la CNIL demande d'être très vigilant avec tout ça, demande aux gens d'abord de couper l'enregistrement dès qu'il y a une conversation qu'on n'a pas envie tellement d'avoir, d'enregistrer, de prévenir aussi peut-être ses invités à la maison quand il y a... Tu reçois des amis, je vous préviens. Doucement, tu dis, attention, il y a Google avec ça. Tout est enregistré, si vous voulez, vous pouvez quitter la maison. Exactement, non mais pourquoi pas. Et donc elle conseille, la CNIL en France est très protectrice et elle demande vraiment aux gens, aux utilisateurs de faire attention. Et c'est vrai que la question des données personnelles va être vraiment liée à l'arrivée de ces assistants en France. Et c'est à surveiller, c'est passionnant. Très bien. Mais c'est vrai, alors juste moi pour la petite anecdote, j'ai un Google Assistant comme toi à la maison, mais même toi tu as un Alexa, et la dernière fois je suis allé dans l'historique, parce que via l'appli donc sur mon smartphone... Tu retrouves tous tes ordres. On retrouve tout ce qu'on a dit. Non, tout ce qu'on a, tous les ordres qu'on a donnés. Jérôme a raison, en fait c'est pas toute notre discussion, c'est pas toutes les discussions, c'est tous les ordres qu'on a donnés à Alexa. Bien sûr. Et les réponses d'Alexa. Mais malgré tout, c'est quand même un log assez intéressant de ta vie. Bien sûr. Parce que tu dis que tu as écouté telle musique, à quel moment tu as éteint les lumières, à quel moment tu les as allumées, etc. C'est beaucoup, beaucoup de données. C'est un peu le script de ton quotidien, finalement, qui est enregistré, mais alors pas tout, bien sûr, c'est ce que tu disais, c'est qu'il faut déclencher ce système avec OK Google ou avec les mots-clés qui font qu'à partir de ce moment-là, l'appareil va écouter ce que vous dites. Alors après, on peut évidemment nettoyer son propre historique. Oui, bien sûr. Oui, c'est comme sur la navigation Internet. C'est vrai que c'est passionnant et ça pose aussi des problèmes en termes de sécurité. Voilà, imaginez demain, on arrive à pirater votre Google Assistant ou votre Alexa, on écoute ce que vous dites, c'est assez effrayant. Il faut parler de tout ça, mais il ne faut pas fantasmer, il ne faut pas se
faire peur inutilement. C'est sûr. Il y a la seule tentative de piratage qui a été réussie avec un assistant vocal. Les chercheurs étaient à côté de l'assistant. Mmh. C'est-à-dire que le mec, il est chez toi. Ah oui. Il pirate ton truc, mais il est chez toi. Donc, ouais, On s'en rendrait compte. A priori, on le voit. J'espère. Quoi. Il est juste à côté. Bon. Merci Noémie pour cet éclairage. C'est super intéressant de voir que ces assistants vocaux vont cartonner cette année en 2018 un peu partout. On parle de voitures tout de suite, de voitures électriques, de voitures connectées avec David Noguera. Alors, dans un instant, ça sera le Samsung A8 avec Raphaël Grably qui nous a rejoint. Vous saurez tout sur ce smartphone très attendu de Samsung. Raphaël. On pourra aussi si vous voulez. D'ailleurs, je suis en train de consulter ton log Google Home, Raphaël. C'est bizarre ces requêtes que tu fais quand même. De quoi un peu, hein. Ouais, on en parlera tout à l'heure. De quoi, de quoi Raphaël, donc dans un instant pour la 8, mais auparavant, la Nissan Leaf avec David Noguera. Eh oui, bonsoir. Salut David. Notre spécialiste auto connecté ici à 01net.com et 01net TV. Tadam. David, tu es monté à bord de la nouvelle Nissan Leaf. Exactement. Et tu as pu l'essayer. Ouais, en deux mots, tu nous remets le contexte, c'est quoi la Leaf? La Leaf, c'est le véhicule électrique le plus vendu au monde. Alors pour la France, c'est pas ça, puisque c'est la Zoé, c'est sa cousine, hein, de l'autre marque de l'alliance Renault-Nissan. Mm-hmm. Loin devant, néanmoins, donc la première version de la Leaf reste, niveau monde, la plus vendue. Et voici la version 2. Et voici la version 2 qui est quand même... certains ont dit, le côté un peu jouet, un peu de la première version, elle avait un drôle de look. Moi, j'étais pas fan. Je suis beaucoup plus fan de ce design-là, alors qu'il est effectivement plus conventionnel, plus tradit, mais néanmoins assez rassé. On est allé l'essayer dans un cadre assez sympa. On était là, en l'occurrence, sur les routes pas loin du volcan de Teide de Tenerife. Donc ça, c'était plutôt sympa. Ah, ouais. Ce qui nous a permis quand même Le beau ciel bleu, tu dis que c'était pas région parisienne. Non, hein. C'était pas du tout. Vous étiez les pieds dans l'eau. C'est pas Vélizy, moi, j'étais au soleil, c'est ça. Non, effectivement, on était dans un cadre assez idéal, mais ce qui nous a permis de tester un truc plutôt sympa, qui est l'énergie, enfin le côté un peu dynamique de ce véhicule. Alors, on sait, les véhicules électriques sont toujours des véhicules qui, au démarrage, sont un peu sport, par rapport à des véhicules plus traditionnels, c'est dynamique, c'est énergique, etc. Et pour rejoindre le volcan, c'était quand même 2000 mètres d'altitude, et donc on a pu quand même éprouver un petit peu l'autonomie. Alors côté autonomie, c'était la promesse de Nissan d'arriver avec un système 40 kW, donc ça rejoint la Zoé. Donc la promesse, c'est combien? C'est 378 km NEDC, ça ne veut pas dire grand-chose, ouais. 270 sur le nouveau cycle WLTP, qui est un cycle qui se veut plus réaliste. Ce cycle WLTP, c'est bien parce que Nissan l'a passé, il fait partie des premiers à communiquer là-dessus, avec une autre performance qui serait de 415 km en cycle urbain, WLTP. Ah ouais. Et ça, grâce à la technologie e-pédale. Alors là, on va y revenir. C'est pas la vraie autonomie. Hein. C'est pas la vraie autonomie. C'est très difficile. Ça dépend de plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que nous, on en a fait beaucoup, beaucoup moins. Alors, je vous cache pas que dans le cadre des essais, on a aussi un peu tendance à parfois se faire plaisir. Et puis surtout, là, on est monté très, très haut. Ce qui est sûr, c'est que elle est performante, elle a un beau couple, elle est beaucoup plus puissante, on passe de 80 kW en puissance moteur à 110, donc c'est un équivalent 150 chevaux, on a plus d'autonomie, c'est sûr, mais nous on est quand même arrivé qu'à à peu près 220. 220 dans le cadre de notre test, c'était quand même pas mal, parce qu'on a pu, on a eu une conduite dynamique, on est quand même beaucoup monté, et surtout on a beaucoup récupéré au moment de la descente grâce à cette technologie e-pédale. Le e-pédale, c'est la promesse d'une conduite avec une seule pédale, et on sait vraiment... Passer du frein. On n'a vraiment plus besoin de la pédale de frein pour conduire. Alors c'est génial, il y a un petit temps d'adaptation parce que si on la relâche vraiment, elle applique un vrai freinage, alors qui est de 0,2G, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est quand même le freinage qu'on sent dans l'habitacle. Mais néanmoins... Mais un freinage d'urgence, c'est pas ça. Un freinage d'urgence, c'est pas ça. Non, un freinage d'urgence, il y a toujours la pédale de frein qui reste disponible, qui reste prioritaire en permanence, il n'y a aucun souci. Une voiture sans pédale de frein. Maintenant, moi j'ai vraiment fait 190 km sans... toucher quasiment à rien dans les embouteillages, descente de col, montée, épingle, etc. C'était vraiment un régal à conduire. Et donc, très très belle donc très, 190, très belle première. Il te restait combien d'autonomie? Et donc 190, il me restait encore 15% et donc 30 km, qui m'amène effectivement à ce constat de 220 km. Donc c'est équivalent à peu près à la Zoé, c'est ça? Exactement. On est sur une... Alors, il va falloir... Là, vraiment, on était sur des conditions... Alors,
il y a aussi pire, hein, on aurait pu rouler sous la neige et là on sait que le froid ça fait mal aux batteries, mais je pense vraiment qu'on va, il faudra la, on la redemandera sur Paris, on la réutilisera dans des conditions autres que les essais qu'on a fait, parce que vraiment c'était assez particulier, il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes, beaucoup de routes sinueuses, une conduite un peu dynamique aussi parce qu'on était sur des limitations de vitesse, voilà, on a fait très peu de villes finalement. Mmh. Donc il va vraiment falloir y revenir. Un bel espace à l'intérieur, des belles technologies avec ProPilot. C'est vrai qu'on entend parler beaucoup du techno de pilotage automatique de Tesla, parce que évidemment ça va être sa concurrente directe, comme plein d'autres véhicules qui vont arriver à partir de 2020 chez tous les constructeurs, donc plein d'autres véhicules électriques. Mais ProPilot sur un véhicule comme ça, alors qui est une option, pas sur la version qu'on avait nous, mais qui reste une option à partir sur les modèles d'entrée de gamme, eh bien, c'est un système de régulateur de vitesse actif qui fait le job. Vraiment, c'est donc, fluide. Qu'est-ce qu'il fait exactement ? Alors ça accélère, ça freine seul, ça maintient les distances de sécurité et ça corrige la voie. Donc c'est donc pas sur aussi autoroute, c'est sur autoroute, voilà. Sur autoroute, c'est conduit tout seul en fait. Alors on a toujours ce rappel à l'ordre, hein. On peut pas lâcher les mains parce que sinon ça revient. Et puis c'est vraiment un maintien strict au centre de la voie. Donc quand il y a de l'interfilage de moto, on n'est pas toujours très rassuré. On a tendance les motos vont devoir s'adapter, hein, voilà, les amis. C'est la voiture qui décide. C'est pas du Tesla. C'est pas comparable à du pilotage auto. Non, c'est pas comparable à du pilotage automatique. Moi, j'ai des choses plus impressionnantes sur Model S ou Model X. Mais ça va vraiment plus loin. En termes de quoi ? En fait, Tesla, on sent quand même qu'ils ont une variable d'ajustement. Alors, on sait qu'ils ont amélioré leur système. Ça coupait pendant un moment parce qu'ils se sont rendus compte que les gens en abusaient aussi, alors que c'est pas légal. Mais ça reste quand même un système qui est sur Model S, Model X, c'est quand même très performant. Mais c'est du software, là, on a un cran dessous. À jour, non ? Et ça, c'est la vraie question. Alors, quand on est constructeur automobile comme Nissan, on refuse un peu de rentrer dans ce débat en se disant oui, on le mettra à jour et oui, on arrivera à faire quelque chose de mieux. On est tellement proche des contraintes légales et de dire le cadre légal devra encadrer la présence des capteurs, ce que la voiture devra faire à quel moment, comment ça devra réagir, qu'on refuse même d'espérer avoir sur une Leaf deuxième génération pour 3000 euros un nouveau déverrouillage d'une conduite autonome de niveau 3 par exemple. C'est très compliqué d'avoir ce genre de ça peut être des petits mises à jour, des petits ajustements, ce que fait Tesla. Oui, ils le font over the air même, tout à fait, ça améliore en permanence. Donc, le prix de cette Alors le prix c'est Nissan à partir de attention, hein, 33 900 euros sans le bonus éco, donc 27 900 euros avec le bonus éco déduit de 6 000 euros. Nous la version qu'on avait c'était une version N-Connecta, donc qui revenait à 31 900 euros. C'est franchement la version que moi je recommande. Donc c'est la version C'est la version haut de gamme, plutôt, alors elle est plutôt effectivement côté haut de gamme, mais elle a ProPilot, elle a ProPilot Park aussi qui est le système de stationnement automatique, et elle a une belle finition. Vraiment on commence à causer de finitions sympas, Android Auto, CarPlay, un système audio qui mais va on bien. Ça allègrement les 30 000 euros. Mais on est à 31 100 euros avec le bonus éco, effectivement. Mmh. Donc, et il y a plein de choses. Je ne sais pas si on a les images, mais moi, ils ont ce système de recharge rapide parce qu'on est quand même sur 21 heures de recharge traditionnelle, 7h30 sur des systèmes 32 ampères, et puis après, on descend quand on est sur du 50 kg. Là, ce qu'on voit, c'est donc ce qu'on avait derrière nous, ça, c'est les X Storage, parce que Nissan va, enfin, en tout cas, sur ce site où il était partenaire de l'ITER à Tenerife, eh bien, c'est qu'ils ont installé des batteries de stockage d'énergie, puisque tout ce site était alimenté par des éoliennes et des panneaux solaires, et donc tout le site était autosuffisant. Mais la volonté de Nissan, c'est d'avoir cette prise CHAdeMO et ces batteries bidirectionnelles pour être prêt déjà à utiliser la batterie, l'énergie stockée dans les batteries pour les réinjecter dans le réseau. Il faut savoir que les projets pilotes qui mènent par ailleurs permettent aux utilisateurs de Leaf de ne plus payer leur carburant. Et c'est amusant parce que Tesla a un projet exactement similaire aussi. Voilà, les tuiles, les power storage, oui, bien sûr. Ouais, c'est dingue. Merci beaucoup, David. Merci à vous. La vidéo David. Bientôt. Oui, très bientôt, oui. Voilà, enfin, on verra. Ils sont en train de dire, il faut qu'il la monte et tout, qu'il a les poussettes, qu'il règle tout. Mais il faudrait mettre une belle un micro là-bas en régie. Là, parce que maintenant, c'est les commentaires permanents. C'est la social room, en quelque sorte. C'est la social room, oui. C'est ça. David, merci. Il est là, Raphaël Grably, mesdames, messieurs. Toujours présent. Pour le Samsung Galaxy A8. Ouais, qui vient de sortir hein, en fait. Donc c'est une sorte de Galaxy S8 Lite un peu. C'est-à-dire qu'il coûte 499 euros, donc on est sur du milieu de gamme. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier smartphone de milieu de gamme de Samsung qui a ce fameux écran 18/9, donc l'écran panoramique. Et comme toujours chez Samsung, c'est le Super AMOLED. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas estampillé Infinity Display, c'est le nom du S8, enfin le nom de l'écran du S8, mais en fait,
quand on a l'écran du S8 et celui du A8 à côté, on a vraiment du mal à voir la différence. C'est vraiment un écran de smartphone haut de gamme, tout simplement. Il y a une différence ou pas, Mavet? Non, mais alors moi, sincèrement, si ce n'est que les bords sont un peu plus importants, en fait, c'est un peu moins au niveau du design, en fait. C'est un petit peu moins du travail d'orfèvre, on va dire. Voilà, au niveau du design. Par contre, au niveau de la qualité d'affichage pure, franchement, c'est on met un S8 et un A8 à côté, c'est très difficile Avec un grand écran panoramique, on le voit là, il est vraiment impressionnant. Franchement, À utiliser, c'est juste un régal. Et il y a par contre une autre, un autre accessoire qui est très sympa et que là, on n'avait même pas sur le S8, c'est le double module caméra à l'avant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des selfies. Alors le second, donc c'est du 16 et du 8, donc 16 mégapixels quand même à l'avant, donc c'est pas mal. Et alors le second capteur de 8 mégapixels, il va pas prendre de photos, il va simplement servir à faire une mise au point plus rapide, mais aussi à calculer la distance pour calculer et pour créer un effet bokeh, donc le flou d'arrière-plan qu'on a sur l'iPhone, sur le Note 8 aussi, même si c'est la même focale. Donc on a le même angle, mais on a un effet bokeh. Et franchement, c'est vraiment réussi. C'est qui ce mannequin barbu? Alors je sais pas qui c'est ce type. C'est moche ça. Je vous attends au tournant les gars. Mais j'ai déjà vu sur plusieurs photos. C'était juste après qu'il ait poussé la Nissan Leaf quand il n'y avait plus de batterie. Il était un peu mort. Il était un peu fatigué. Et franchement, quand on voit par exemple le détourage, parce qu'en fait c'est un détourage, ni plus ni moins, c'est vraiment bien fait. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu les algorithmes du Note 8 en fait, donc c'est vraiment précis. Donc on a des selfies avec un flou derrière. Et franchement, ça rend bien. Il y a le test sur 01net.com. Parce que c'est une fonctionnalité qu'il n'y a pas sur le S8, qui est le flagship. Peut-être qu'il y aura sur le S9, on ne sait pas. Mais qu'on n'a pas sur le flagship. Et ils ont misé là-dessus. Et c'est très intelligent sur un milieu de gamme comme ça. Ouais. Parce que ça le différencie vraiment de la concurrence. Ce n'est pas les premiers à faire du double module caméra à l'avant. Mais là, vraiment, c'est intéressant. Ça fonctionne bien. C'est précis. Et donc, on a des vrais beaux selfies. Personnellement, je ne suis pas un amateur de selfies. Mais là, tu t'es trouvé beau. Je me suis dit, c'est pas mal. Non, mais du coup, ça fait des photos qu'on a envie quand même d'exploiter. Ouais. Donc les gens qui aiment le selfie, donc là, ça fait deux jours qu'ils nous envoient des photos. Voilà, j'envoie des partout, photos que de moi. Plus qu'en FaceTime. Non mais quand on aime déjà les selfies, on va aimer ça. C'est en termes de puissance brute, c'est la même chose que le Galaxy S8 ou pas? Ah non, alors là justement on est un ton en dessous. Et c'est là où on retourne chez Samsung et qu'on n'est plus chez les flagship killer quand on dit ça, parce que à 499€, on a l'Exynos 7885. Donc en gros, c'est un processeur de milieu de gamme. Donc ça va pour le quotidien, mais c'est pas une bête de course. Sauf qu'en face, si on va chez OnePlus, si on va chez Honor, on a les puces les plus puissantes. On a le Snapdragon 835, on a l'Exynos, le Kirin 970. Donc on a vraiment des puces de très haute gamme. Donc, on n'a pas le selfie avec effet bokeh. On n'a pas la reconnaissance faciale aussi qu'on a. Alors si je dis n'importe quoi d'ailleurs, on l'a aussi. OnePlus, la non, je dis ça parce qu'elle arrive là-dessus, la reconnaissance faciale, mais effectivement, on n'a pas l'effet bokeh à l'avant. Mais voilà, c'est son handicap, on va dire qu'il est un peu moins puissant que les autres. Mais en contrepartie, il a vraiment des finitions très haut de gamme, c'est vrai. Et contrairement aux deux... Et contrairement aux autres, on va aussi le trouver facilement chez tous les opérateurs, celui-là. Donc ce qui fait qu'effectivement, du coup, il est un peu plus cher. Déjà, il y a une offre de remboursement de Samsung de 70€. Donc déjà, ça le fait baisser un petit peu. Oui, à 429. 429, donc c'est sensiblement moins cher. Et là, la concurrence, on a combien? On est dans les mêmes gammes de prix? Non, 499€. Aussi. Ah oui, oui. D'accord, non, pour le OnePlus. OnePlus, c'est 499 pour la version 64Go. D'accord. Et le Honor View 10, 499 aussi. Petite question, double SIM ou pas sur Alors justement, il est double SIM. Il est même mieux. Alors, il est double SIM. Avec en plus, parce que non, en fait son défaut aussi, c'est qu'il est, il a que 32 gigas de stockage, là où chez OnePlus on a 64 et chez Honor on a 128 gigas de stockage. Donc là ça paraît un peu limite, on a un lecteur micro SD quand même et double SIM en plus du lecteur de la carte SD, c'est-à-dire qu'on a trois ports en tout. Alors qu'en général c'est l'un ou l'autre. Exactement. C'est ou la deuxième SIM ou la carte micro SD. Alors il est double SIM sauf chez un opérateur qui n'a pas joué le jeu. C'est pas vrai. Oui. Mais de qui s'agit-il? Qui s'appelle Orange. C'est pas vrai. Voilà, Orange n'a pas joué le jeu. Donc de si la on achète chez Orange, Voilà. D'accord. Donc si vous voulez une double SIM, enfin en tout cas une version double SIM. Vous l'achetez nu quelque part. On l'achète nu, Malheureusement, Orange, on ne sait pas pourquoi, n'a pas... Ils ont un format avec le tiroir qui n'est pas le même. Exactement. Samsung produit deux smartphones différents. Ah oui, à mon avis, il produit deux tiroirs, surtout, je pense. Non, mais parce qu'en fait, c'est un troisième tiroir. Le tiroir n'est pas le même. Si j'achète le même tiroir que je mets dedans, je pense pas sûr. Parce qu'il faut l'acheter deux fois, du coup. Non, mais je suis pas sûr parce qu'en fait, il y a un tiroir qui est sur le dessus. Ça fait 1000 balles. Et l'autre qui est sur le côté. Je suis pas sûr parce que je crois qu'il y a un tiroir sur le dessus et l'autre sur le côté, non?
Oui, mais le tiroir SIM, c'est... Ah, je suis... bon, enfin, bref. C'est vrai que ça rend extrêmement beau. Hein. Non, mais la photo, si magnifique. Tu peux la montrer à l'écran, ouais, je ne sais pas si on peut la filmer. Tu veux que je la montre là, par là, par exemple. Je ne sais pas, quelque part. Non, mais attends, c'est la fin de l'émission, tu ne crois pas qu'il va... Mais alors, du coup, s'il est moins puissant, est-ce qu'il va faire un tout petit peu? Il est beau comme tout. Non, alors justement, voilà. Hop là. Et bon. Haute force, l'autonomie, qui était une grosse force des A5, parce qu'en fait, c'est pas vraiment le remplaçant d'ailleurs hein, du A5 2017, il reste en gamme, hein, le A5 il baisse de prix à 349 euros, et les A5, les A3 c'était des bêtes d'autonomie, alors là comme l'écran est plus grand, on retombe sur des niveaux à peu près classiques, ouais. Mais on est sur une très bonne autonomie, comme le OnePlus 5T d'ailleurs, c'est-à-dire en gros, on a mesuré 12 heures en autonomie polyvalente, donc une journée, on peut y aller. Il n'y a toujours pas de Bixby en français? Non. Bon. Non, ça va arriver en 2018. Hein. Non, il paraît que ça arrive bientôt. Ouais, c'est écoute, ce que nous dit, ça nous promet Samsung. Peut-être pour le S9. Voilà pour le A8, le Samsung. En attendant le S9 qui arrive très bientôt le 25 février. Le 25 février, yes, et ça sera l'occasion du Mobile World Congress. Grand rendez-vous dédié à la mobilité que vous pourrez suivre sur 01net TV puisqu'on vous réserve comme chaque année des lives. Et bien le lundi et le mardi, les deux premiers jours hein, du Mobile World Congress. Ça sera entre midi et deux, mais on vous donnera plus d'infos très vite. J'ai une question à te poser, François. Aïe, 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 vas-y. Êtes-vous surpris par le classement des opérateurs mobiles de l'année? Ouh là là, écoute, non, moi je ne suis pas surpris. C'est la question 01net Orange. Toi, t'es surpris ou pas? Et moi, je ne me prononce pas. Hein, non, tu ne te prononces pas. T'attends d'avoir les résultats des garçons d'avoir qui vont l'afficher. Voilà. Ben voilà. On a une tendance ou pas? Non, 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 on n'a pas de tendance. Pas tendance. C'est pas grave. Ça marche pas. Mais ça va marcher bientôt, vous allez voir. Comment ça? Bon, d'accord. Écoutez, il est 18h41. Je pense qu'on a légèrement débordé, mais vous avez remarqué que ce Zéro en la vie de était très riche. On a parlé d'automobiles, d'assistants, de téléphones mobiles aussi, d'opérateurs mobiles. Oui, et d'opérateurs mobiles. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, Jérôme. Oui, merci à Pierre Thiolin et à Thomas Remiuret qui ont assuré, bon, j'allais dire avec brio, mais non, faut pas exagérer. Et Jean-David, il est parti, Jean-David? Il est pas loin. Je vois juste un crâne à les écrans, je sais pas qui c'est. Il est en train de faire les crêpes. Bon, bonne soirée, merci d'avoir été avec nous et à très vite. Salut à tous. Salut.